5000 vite. Le néophyte apprend vite. Quand un constructeur comme Peugeot investit un nouveau secteur, il choisit les meilleurs et analyse. Et puis, le résultat s'appelle 5008. Monospace compact, aux lignes tendues et aux surfaces vitrées importantes, le 5008 rappelle plus une limousine cossue qu'un utilitaire familial. Intérieur. La grande et bonne surprise concerne le poste de pilotage. En effet, après quelques kilomètres, on perd la sensation de la dimension pour ne ressentir que celle du confort. Que l'on soit homme ou femme, la position de conduite légèrement surélevée, ainsi que l'accessibilité aisée à toutes les commandes et indications de conduite, confèrent un sentiment de sécurité et permettent une large vision. Un tableau de bord, placé en face du conducteur et bien protégé de la lumière extérieure, fournit clairement toutes les indications. Mais le petit sucre est l'affichage head-up disponible de série, qui fournit sur un petit écran plastique, directement dans votre champ de vision, les indications routières importantes. Assisté par un système de navigation efficace, signalant, en France, la présence de radars fixes, de même que la vitesse maximale, permet d'éviter quelques petites erreurs d'inattention. À l'avant, on signalera la présence judicieuse d'une boîte à gants, sous la colonne de direction, ou le compartiment rafraîchi, entre les sièges. Le confort d'assise est sans commentaire. Le maintien est efficace, et les différents réglages commodes. À l'arrière, les passagers, enfants ou adultes, bénéficient de places en suffisance. Les sièges sont larges, mais ne proposent pas de bon maintien latéral, ce principalement dû à leur conception modulable. Des compartiments de rangement au pied offrent des refuges bienvenus pour les jouets et autres articles. Une installation DVD avec moniteur intégré dans les appuis-têtes permet de consulter deux programmes différents, avec ou sans casque Bluetooth. Des tablettes de bonne facture complètent l'espace arrière. Les deux places, en troisième rang, si elles sont exiguës, peuvent servir de dépannage pour des adultes. En contrepartie, elles sont largement suffisantes pour des enfants. Pratique. Volume, quand tu deviens un argument vendeur. Le 5008 n'a pas à se tenir en retrait. Il fait aussi bien que les autres. Le volume de coffre, en mode 5 places, offre jusqu'à 1200 litres et s'étend jusqu'à 2500 litres, tout siège WC. Siège passager avant rabattu, le 5008 engloutit même des objets jusqu'à près de 3 mètres de long. Technique. Quelle que soit la motorisation essayée, le 5008 a surpris par un comportement routier efficace. Apparu dans la limite, le 5008 fait preuve de souveraineté aussi bien en tenue de route qu'en motricité. Le plaisir de la conduite prend le pas sur le volume et l'encombrement, et on finirait presque par se prendre au jeu pour aller chercher les limites, tant la conduite et le pilotage deviennent engageants. Les motorisations. En Suisse, le 5008 offrira deux versions essence de 1,6 litre, une de 120 chevaux avec boîte 5 et une de 156 chevaux avec boîte 6, les deux aux normes Euro 5 et une consommation aux alentours des 7,1 litres. En diesel, vous bénéficiez d'une offre encore plus étendue avec 4 motorisations de 1,6 à 2 litres et de 110 à 150 chevaux. Sécurité passive, active et aide à la conduite. Peugeot fait fort. Et de stationnement, mesure de place de parking, fixation ISOFIX, au nombre de 3, sur les banquettes du deuxième rang, airbag rideau sur toute la longueur, etc., etc. Bien entendu, ESP, ABS. Et tous les éléments habituels sont évidemment de la partie. Parlons prix. Peugeot vous enlève tout souci. Pas de liste d'options sans fin, 3 finitions, Trendy Clim, Sport et Sportpack. Si la première débute à 29 950 francs, la finition Sportpack vous emmène jusqu'à 41 150 francs pour la version la plus puissante et la mieux équipée. À ce moment, il ne vous restera que les enjoliveurs de pavillon, chromés, en option. Premier avis. Courte, mais séduisante promenade. Le 5008 dispose de beaucoup d'arguments positifs pour plaire. Carrosserie dynamique, confort et équipement intérieur pléthorique, finition soignée, motorisation et tenue de route plus qu'efficace, tout cela, associé à un positionnement prix favorable, devrait permettre au 5008 de Peugeot de faire une entrée remarquée dans le secteur des monospaces compacts. Le Peugeot 5008 sera disponible dès la mi-novembre chez tous les bons garagistes. Jean-Louis Vidal.
autotop.ch.